Allez, salut à tous, on se retrouve du coup pour le deuxième WOD de la semaine. WOD encore imaginé et créé par Perrine, donc n'hésitez pas à faire un petit feedback, comme elle l'a dit sur le premier, en dessous du post, hein, okay, comme ça elle peut avoir un retour de vous et surtout ça peut l'aider à progresser et à s'améliorer. Okay, donc on pense à notre petite stagiaire Perrine Muller. Pour le warm-up, on fera du coup deux tours. On commencera par du floor strip, où on fait 20 reps, ok, mouvement un petit peu sympa et qui change. On va avancer à tour de rôle chaque jambe en faisant une espèce de petite danse, comme ceci, ok. Vous allez voir, ça va étirer la chaîne postérieure, donc l'arrière des cuisses, ok. N'allez pas trop bas, hein, n'allez pas me faire un truc de taré ou de bourrin, ok. Allez-y doucement, vous allez voir, hein, c'est surprenant, ça étire la chaîne postérieure. On en fera 20, donc 10-10 de chaque jambe. Deuxième mouvement, strict press avec un objet. Donc strict press, je rappelle, on prend une charge, vous pouvez le faire à la bouteille, hein, c'est très bien. En tout cas, un truc assez léger, un maximum de 2,5 kg. Et on vient, juste avec la force du haut du corps, faire un développé, bras tendus et essayer d'engager la tête. 10 reps de chaque côté. Et on finira avec des donuts, donc c'est un burpee sans le fait de toucher le sol. 1, 2, etc., etc. Ok ? Donc, 3 mouvements à faire 2 fois. Pour le WOD, très simple, rien de compliqué. WOD by Perrine. 50 baby press thruster, 22,5 pour les hommes, 15 pour les femmes. C'est le format RX, ok. On peut le faire au KB ou à la dumbbell, en fonction de ce que vous avez à la maison. Si vous avez plus lourd, moins lourd, etc., on adapte, ok. Avec un time cap du coup de 12 minutes. Donc, baby press thruster. J'ai le dumbbell devant moi, je vais aller faire un burpees, ok. J'ai la poitrine au sol, je vais me redresser, sortir la poitrine, jambes fléchies, effectuer un swing. Une fois que je suis là, je fais mon deadlift press, je ramène l'haltère sur mon épaule, le coude est devant, je fais un squat complet si la mobilité le permet, je fais mon thruster, ça fait 1, je ramène l'haltère au sol, mon deadlift press, thruster, 2, etc., etc. Il y en a 50 à réaliser, vous coupez comme vous voulez, vous faites droite, gauche, gauche, droite, 5 à droite, 5 à gauche, etc. Vous faites comme vous voulez. Du coup, pour le renfort, aujourd'hui, on va venir solliciter toute la chaîne postérieure. Okay. Premier mouvement, Chinese Plank. On fera 3 tours de 45 secondes en isométrie. On va dire en place au mouvement avec une minute de pause. Donc, je vais montrer le mouvement. Ça se fait au sol. Il va falloir être concentré. Il y a deux parties de votre corps qui vont toucher le sol. Les talons et les omoplates. Okay. Tout le reste ne devra pas toucher le sol. Donc vous vous mettez dans cette position et là vous allez serrer les fesses, monter les hanches et rester comme ça dans cette position pendant 45 secondes. Okay, vous allez sentir ici les ischios qui vont commencer à chauffer, c'est normal. Et vous restez comme ça 45 secondes. Ok, n'hésitez pas à faire un super retour à Mademoiselle Perrine. On fera du coup 3 fois 45 secondes avec une minute de pause à chaque fois. Ok, ça c'est le premier mouvement Chinese Plank. Deuxième mouvement, on va venir travailler principalement les fesses. Sous quel format? Hip thrust 30 secondes et hip thrust all 30 secondes. 3 fois une minute de pause. Donc, pour les hip thrust, on va venir, pour activer encore plus le sollicitement des fessiers, se mettre sur les talons et on va venir décoller les hanches. Ok, décoller les hanches, serrer les fessiers. Décoller les hanches, serrer les fessiers. Pendant 30 secondes, on va faire ce mouvement. Ok, il faut vraiment volontairement venir pousser sur les talons, monter les hanches. Une fois qu'on a fait ces 30 secondes, on reste comme ceci 30 secondes. Et on serre fort les fesses, on serre fort les fesses. Ok, et après on repose. Une minute de pause après avoir cumulé deux mouvements et on fait ça 3 fois. Je pense que ça va vous laisser une belle courbature. C'est tout pour le WOD 2 de cette semaine et on va se retrouver pour le WOD 3 de Perrine. See you later.